C'est chaud quand même. Mais surtout parce que je me suis dit que ça aurait pu être ma mère en fait. Ça aurait pu être ma mère, ça aurait pu être ta mère, ça aurait pu être la mère de tout le monde en fait. Donc je me suis dit, on va essayer de faire un film qui va être fédérateur, qui va rassembler tous les quartiers. On sera ensemble main dans la main et pas dispersés parce que c'est ce qu'ils veulent en haut. Voilà, tout simplement. Donc un film de 15 minutes, 35 secondes. Je vous laisse le regarder et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, il n'y a pas de soucis. Ils ont fait un appel, un tournoi pour rendre hommage à leur maman qui est disparue il y a très peu de temps. Vous avez répondu présent. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure. D'accord ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand il y a un d'entre nous, que ce soit une fille ou un garçon, qui a des problèmes avec la police, il faut qu'on soit là. Il faut qu'on soit là. Et là, la prochaine étape, c'est pour le tribunal. Il y a le procès, je crois que c'est le 5 mars. Toutes les personnes ici, il faut que vous soyez là.
C'est pas normal que le procès précédent au tribunal, la famille Kébé, elle était là avec sa famille et quelques soutiens. La police et les gendarmes, ils étaient avec toute leur équipe. Et ils narquaient la famille. Est-ce que c'est normal ça? Donc, votre devoir à vous, c'est que là, vous avez fait preuve de solidarité. Il faut aller jusqu'au bout et monter à la vitesse supérieure. Le 5 mars, il faut que tout le monde soit là. Le 5 mars, il faut que les villes voisines soient là. Moi, personnellement, je suis en déplacement à l'étranger, mais je vous soutiendrai à distance. Et c'est que comme ça que les choses vont avancer. D'accord? Donc, je vais laisser la parole à d'autres personnes. À mon grand frère, Bouba, Black Jizz. Voilà. Et encore merci à vous. Moi, je vais être super rapide. Vous avez vu, comme on a dit, nous, on vient de Grigny de base. S'il vous plaît! Donc, Grigny. Allô, ouais! Donc, comme on vous a dit, nous, on vient de Grigny de base. Je sais pas si vous connaissez la Grande Borne. Nous, on est issus de là-bas. Aujourd'hui, Grigny, c'est la ville la plus pauvre de France. C'est-à-dire qu'ils ont regroupé tous les plus pauvres à Grigny. Donc, vous voyez un petit peu le schéma. Après, nous, on a monté un média qui s'appelle Bloc Out Radio. C'est-à-dire qu'on fait des reportages, on fait des émissions en direction des gens des quartiers. C'est-à-dire, n'importe qui d'entre vous peut venir dans nos émissions, on peut faire des reportages chez vous. Donc, ça s'appelle Bloc Out Radio. Et du coup, moi, le seul message que j'aurais à lancer, c'est aujourd'hui, les petits qui sont dehors, qui ont 20 ans, ils sont nés en 2000. Moi, j'en ai 40. Donc, j'ai vu plein de petits qui ont grandi aujourd'hui et leurs parents sont des gens issus des quartiers. C'est-à-dire que leurs parents, c'est des grands des quartiers. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des grandes responsabilités. Si nos petits, là, de 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils partent en freestyle, aujourd'hui, nous, les grands, là, ceux qui ont 30 ans, entre 30 et 40, et 30 et 45 ans, il faut se réveiller. Parce que moi, je vous le dis, nos petits, si aujourd'hui, on leur transmet pas ce qu'il y a à transmettre, quand les mecs qui ont 30 ans ici, aujourd'hui, ils en auront 40 ou ils en auront 50, on va avoir des problèmes avec nos petits. Donc moi, tout ce que je tiens à dire, c'est respecter les aînés, respecter les parents, respecter les papas, respecter les mamans. Et voilà, et que les grands, là, aujourd'hui, des quartiers qui ont 40 ans, 30 ans, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, je travaille en tant qu'éducateur, et je vois des petits qui manquent de respect à leurs parents. C'est des Renois, c'est des Rebeux. Et je sais pas, vous connaissez Pascal le Grand Frère? Eh ben, il y a des Renois et des Rebeux, ils font comme Pascal le Grand Frère. Ils viennent, ils tapent leurs parents, ils insultent leurs parents. Et c'est des parents qui sont grandis dans les quartiers des fois, et qui n'ont pas grandi dans les quartiers aussi. C'est-à-dire des parents qui viennent du bled, tout ça. Donc aujourd'hui, nous, on a une génération où, malheureusement, au lieu de transmettre les valeurs religieuses ou les valeurs culturelles, on transmet le quartier à nos enfants. Donc ce qui fait qu'il y a des enfants aujourd'hui qui sont plus ghettos que leur père, qui étaient ghettos avant. Et moi, je le vois à Grigny, je vois des petits, ils sont là, ils sont sur le terrain, leur père, il était là il y a 25 ans. Le mec, il est là, son père, il était là en 85 ou en 95. Donc tout ce que je tiens à dire, c'est que Villemomble, il me semble qu'il y a des gens bien ici, comme partout. Voilà, encourager la famille Kébé, parce que le 5 mars, il ne faut pas que la famille elle, se retrouve en mode solo. Voilà, vous êtes des gens bien, et restez des gens bien, et merci à vous. Au risque de me répéter, vraiment, il faut qu'on sorte tous de notre zone de confort. Moi, quand Mohamed Salima, ils m'ont appelé pour cet événement, moi j'ai dit oui direct. Je me suis pas dit, hey, c'est des gars du 9-3 ou je sais pas quoi, je m'en fous. Non, c'est comme si c'était ma famille. D'accord? Et la famille Kébé, vous devez faire comme si c'était votre propre famille. Comme si c'était votre propre maman, vos propres frères et sœurs. Il faut passer à la vitesse supérieure. Si on n'est pas vraiment solidaire entre nous, les choses ne vont pas avancer. Je vous assure, on est dans un état où la police a quasi tous les droits. D'accord? Il y a des bons policiers. On ne dit pas que tous les policiers sont mauvais. Mais on est dans un état où ils ont le droit de tuer, on est dans un état où c'est une chasse permanente des jeunes de cité, de nos grandes sœurs aussi, et de nos mamans, en l'occurrence comme ici à Villemont. Donc c'est pour ça, vraiment, mettons notre ego de côté, mettons notre fierté de côté, venez, on se soutient véritablement, on arrête de bomber entre nous. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Chose avec monsieur Mohamed Kébé, ouais. Salima, comment allez-vous? Ça va très bien. Tout va bien, ça va? Ça va. Il y a peu, il y a notre gars Kizo que j'appelle l'architecte, notre job training qui nous a contacté par rapport à ce qui s'est passé il y a peu de temps. Et du coup, voilà, c'était par rapport à ta maman. Tu vas nous en parler un petit peu pour que les gens s'en souviennent un peu, tu vois? Exactement.
Mais Mohamed, voilà, dis-nous ce qui s'est passé il y a quelques temps, en quelques mots, tu vois. En fait, ce qui s'est passé il y a quelques temps, c'est qu'il y a une bavure policière très grave. Moi-même, j'étais touché par un tir de flashball dans la tête. Et ma mère, elle a été atteinte à l'œil, elle a perdu l'œil. Et aujourd'hui, personne n'est plus là. Mais bon, alhamdoulilah, nous, on est là et puis on va essayer d'avoir la justice. La justice et la victoire. Voilà. Il y a un procès qui se tient le 5 mars. Il y a un procès qui se tient le 5 mars au 13 mars à Paris. Et je demande à plusieurs personnes de venir. Merci. Et du coup, ce procès, quel est l'objet de ce procès? Ah, l'objet de ce procès, c'est d'avoir la victoire, c'est de gagner. Franchement, il n'y a plus. Que justice soit faite. C'est même pas question de la justice là, on veut vraiment gagner en fait. Parce qu'en fait, la justice, il n'y en a pas de justice en fait. Là, au premier procès, on demandait la justice. Mais il n'y a plus de justice là. Mais les dommages collatéraux de cette histoire, c'est pour la famille Kébé, elle est trop lourde. La perte d'une maman. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a soif de justice. Mais surtout, maintenant, c'est on veut un jugement et on veut des condamnations. On veut que le malheur de cette famille soit reconnu par l'État. Et stop aux violences policières. On n'est pas des lapins dans les quartiers. Et on ne peut pas s'amuser à nous tirer dessus comme ça. C'est pas possible. Il faut dire stop à toutes ces choses-là. On a tous des enfants, ils vont grandir. Si nous, déjà, en 2020, on se fait tirer dessus, qu'est-ce qu'ils vont faire à nos enfants? Il faut dire stop. Voilà, c'est le message qu'on veut faire passer. Et la mobilisation, surtout du 5 au 13 mars à la Cour d'appel de Paris, parce qu'en première instance, on était très peu et eux, ils étaient énormément soutenus, la police. Donc un appel à tous les collectifs, tous ceux qui veulent se joindre à nous, plus on sera entendus. Merci à tous. Merci à tout le monde. Force à nous, on est ensemble. Mais ce rassemblement qu'il y a eu aujourd'hui, c'est quoi ton ressenti là? Qu'est-ce que t'as... Bah, ça va, c'est bien passé. Franchement, mon ressenti, c'est passé comme je voulais. Ramener grave du monde, tout le monde rigole ensemble, tout le monde mange ensemble. Et voilà. Et nous, surtout le film qui a tourné là, c'est ça qui était vraiment la clé. Très bon, alhamdoulilah. Comme on dit. On est issu de communautés qui croient. Exactement. Et le fait de croire, on sait que tout ça ne sont que des épreuves. Exactement. Les épreuves, c'est notre quotidien. Sans épreuves, il n'y a pas de vie. Voilà. Merci à toi, Mohamed.